Bienvenue. Gratitude de vous retrouver. Tout le monde m'entend? Vous m'entendez là-haut? Oui. Un home d'amour pour dire la bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là. Une respiration. 1, 2, 3. Bienvenue dans le yoga tantra, le yoga Anatman. Alors une grande inspiration ensemble, la conscience dans les pieds. Une grande inspiration, un ham dans les pieds. Les bras montent, montent, et nous allons nous mettre sur les pieds, sur la pointe des pieds. Et ça monte, ça monte, ça monte. Ah. Les yeux bien ouverts. Ah, regardez, en face, fixer un point. Ça monte, ça monte, ça monte. Ah oui, il y a une jouissance de l'étirement déjà dans les omoplates. Ressentez bien le bassin. Le haut des fesses, les épaules. Ah oui, dites avec moi, j'ose la jouissance de l'étirement. Voilà, chacun avec son identité. Et ça monte, ça monte, ça monte. Une respiration. 1, 2, 3. Bienvenue dans le yoga qui réveille et qui vous amène vers la reconnexion totale au corps physique. Grâce à la jouissance de l'étirement, c'est une nouvelle technique qui vous permet d'être le corps physique et de mettre votre conscience dans le corps physique. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte, les bras, les mains, sur la pointe des pieds pour voir votre ancrage. C'est aussi un yoga d'ancrage. Une respiration. 1, 2, 3. Ah oui, ressentez dans les épaules. Les omoplates, ça s'étire, ça se fait du bien. Alors si c'est nouveau, il y aura peut-être un peu des inconforts. Si vous avez des douleurs ou si vous avez mal, arrêtez, faites des pauses. Une respiration. 1, 2, 3. Et ça redescend tout doucement. Les bras, les mains redescendent. Nous allons laisser tout le haut du corps s'abandonner. C'est aussi un yoga de l'abandon. Et ça s'abandonne. 1, 2, 3. Inspiration, expiration. Là où ça s'étire. 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez bien là-haut? Ça va? C'est assez? Ok. Inspiration. Profonde par le nez. Conservez l'air. 1, 2, 3. Et ça s'abandonne à l'expiration. Inspiration par le nez. Conservez, retenez. 1, 2, 3. Abandon. Inspiration profonde par le nez. 1, 2, 3, abandon.
2, 3. Abandon. Grande inspiration. 1, 2, 3. Inspiration par le nez. Inspirez au maximum, retenez quelques instants, 1, 2, 3, puis abandon. Relâchement total, ça s'abandonne, ça se relâche. Il y a juste à inspirer, retenir, puis expirer là où ça tire. 1, 2, 3. Tout doucement, nous remontons depuis le bas du dos. Nous retrouvons la position verticale. Tout doucement, tout doucement. Les bras, les mains montent, montent, montent. Ça monte, ça monte, ça monte. Et les bras en croix, la posture Anatman. Seulement si vous n'avez pas de problème de cervical, la colonne s'étire en arrière. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Expiration par la bouche. Ah oui! Dites avec moi, j'ose la jouissance de l'étirement. J'ose la jouissance de l'étirement. Ah! Je m'abandonne à la vie. Ah, les mains peuvent soutenir le bas du dos. Et nous entrons dans une posture des cinq tibétains. Inspiration, expiration. Ah. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde, 1, 2, 3, abandon. Inspiration par le nez.
1, 2, 3, expiration par la bouche. Ah. 1, 2, 3. Et ça s'abandonne, on sentait une jouissance de l'étirement, ça se libère. 1, 2, 3. Ah oui. Inspire, expire, là où ça tire. Et tout doucement, depuis le bas du dos, nous retrouvons la posture verticale et nous revenons. La conscience dans les pieds, les épaules un petit peu en arrière, bien droit, bien droite. Nous allons faire un ham dans les pieds, inspiration. Avec moi, mes jambes sont mes racines. Elles s'enfoncent dans la terre. Je me rappelle maintenant de mes vies d'arbre. Je suis profondément enraciné dans la terre, dans terre-mère. Une respiration. 1, 2, 3. Les bras, les mains montent de nouveau sur la pointe des pieds. Et ça monte. Les yeux ouverts, à fixer un point. Et plus ça monte, plus c'est facile. Les muscles pieds sont tendus, les abdos aussi. Vous êtes raide, bien droit, bien droite. Et ça monte. Et vous êtes en équilibre, ancré sur la pointe des pieds. Toute la conscience sur la pointe des pieds pour ne pas tomber. C'est un exercice d'ancrage. Tout ce que nous faisons, c'est pour s'ancrer car nous allons monter très haut en troisième partie de notre petit atelier. Une respiration. 1, 2, 3. Et plus nous sommes ancrés, enracinés dans la terre, dans le corps, et plus nous pouvons capter comme une antenne. Le cosmos, une respiration. 1, 2, 3, et ça monte. Ah oui, ça fait du bien dans les omoplates. Et plus je suis dans la jouissance de l'étirement et plus je suis dans mon corps, c'est le secret de notre technique. Si vous refusez la jouissance, vous refusez aussi l'ancrage et vous refusez la conscience dans le corps, ce qui ne va pas manquer de créer plein de problèmes. Une respiration. 1, 2, 3, et ça monte. 1, 2, 3, et ça s'étire, vous êtes étiré par le haut. Alors pour celles et ceux aussi qui ont l'installation, vous pouvez très bien mettre des cordes ou quelque chose au-dessus et vous suspendre carrément quelques instants. Ça serait l'idéal par rapport à notre pratique. Donc si vous avez la possibilité de mettre quelque chose pour se suspendre, pour tenir comme...
un morceau de bois avec des cordes, par exemple. Une respiration. 1, 2, 3. Et nous redescendons. Et ça s'abandonne. Inspiration. 1, 2, 3. Deux, trois. Et ça s'abandonne, ça s'abandonne, ça s'abandonne. Voilà, pour terminer, ceux et celles qui peuvent se suspendre par le haut de temps en temps, par les bras, eh bien ça peut être bien pour les vertèbres. Une grande inspiration. Un, deux, trois, abandon. Deux, trois, abandon. Inspiration par le nez. Un, deux, trois, expiration là où ça tire. On continue sans s'arrêter. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. Et tout doucement, depuis le bas du dos, vertèbre par vertèbre, nous allons remonter, retrouver la position verticale. Les bras, les mains montent, montent, montent. Étirement des omoplates, les pieds bien plats. Ressentez votre conscience dans les pieds. Ressentez bien le tapis. Normalement, vous ressentez plus la plante des pieds que tout à l'heure. 1, 2, 3, les bras en croix.
ressentez une ligne verticale et une ligne horizontale, une croix, et vous êtes entre les deux lignes, au niveau du cœur. Dites avec moi, j'active l'amour christique en moi. Alors, chacun avec sa tonalité, son identité, j'active l'amour christique en moi. Voilà. Et tout doucement, si vous n'avez pas de problème de cervical, ça part en arrière. Ah oui, et ça s'étire. 1, 2, 3. Ah, ah. Laissez la colonne s'étirer tout doucement. Il n'y a pas de douleur. Si ça fait mal, stoppez tout. 1, 2, 3. La mâchoire s'ouvre. Ah, et ça fait du bien. Et tout doucement, les mains soutiennent le bas du dos. Une des postures des cinq tibétains. Quelques instants. Ah oui, nous pouvons profiter pour étirer la mâchoire et faire des grimaces. Étire-moi aussi de la mâchoire. Ressentez le bonheur, le plaisir de s'étirer. Ça commence à circuler. Inspiration par le nez. 1, 2, 3, abandon. Ah ! Dites avec moi, j'ose l'expression de la jouissance. Tout le monde avec moi, nous allons faire des ah ! Une respiration. 1, 2, 3, ah ! Oui ! Gratitude, ressentez dans le cœur la gratitude de se faire plaisir, gratitude pour la jouissance, de s'autoriser aussi, et gratitude pour l'expression. Ah ! Inspirez, expirez, là où ça tire. 1, 2, 3. Ah ! Oui, ça fait du bien. 1, 2, 3. On continue, inspiration par le nez, expiration par la bouche, ressentez tout ce que ça vous fait dans le corps. Et tout doucement, depuis le bas du dos, nous revenons en position verticale. La conscience dans les pieds. Ressentez vos pieds, les épaules légèrement en arrière. Vous êtes bien droite, bien droit. Les mains montent, les pieds restent au sol. Les mains montent, les bras montent. Ah oui, ressentez l'étirement.
Sentez le haut des fesses, le bassin, les omoplates, les épaules. Ressentez, vous êtes dans votre corps. Avec moi, j'habite mon corps maintenant. Toute ma conscience dans mon corps. Ah. Dites avec moi, et si ça pleure, ça pleure. Alors on va commencer par la main droite en haut, la main gauche descend et on va faire demi-lune. Et nous nous étirons sur un côté, à gauche. Ah oui! Inspirez, expirez là où ça tire. Ici c'est en bas à droite, dans le bas du dos. Et au niveau du cou aussi, inspiration. 1, 2, 3. Ah oui! Ça fait du bien! Inspiration, expiration. Ouf. Et si ça pleure, ça pleure. S'il y a des émotions, il y a des émotions. Nous libérons les émotions stockées dans le corps aussi. 1, 2, 3. Ah, ah oui, ça s'étire en haut de la fesse droite. 1, 2, 3. Ah, le cou s'étire aussi. La nuque et l'épaule droite. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, ah oui. Recherchez la jouissance de l'étirement dans chaque posture. 1, 2, 3. Et puis nous revenons en position verticale. C'est le bras gauche qui monte, la main gauche monte. Et nous allons étirer dans l'autre sens. Ah oui. Le pied gauche peut se soulever. Pour augmenter la courbe. Ah oui, et ça s'étire. Ah, osez l'expression de la jouissance. Dites à l'univers, j'ai le droit d'exprimer ma jouissance. J'ai le droit d'exprimer ma jouissance. J'élimine 4000 ans d'interdit. Ah, laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, ah oui. Ah, ça fait du bien. Tous les matins, vous vous rappelez pourquoi vous êtes sur Terre, pour jouir de la vie, pour vous faire plaisir, pour célébrer et honorer la vie que vous êtes. Pas pour passer des mauvais moments, même s'il y en aura de toute façon. Il y aura beaucoup de bons moments maintenant. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Inspiration, expiration. 1, 2, 3. Ah oui, ça s'étire. 1, 2, 3. Ah. Et nous revenons en position initiale verticale. Ah. De nouveau les bras, les mains montent. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et la posture Anatman, quelques secondes. Ah, ah, ressentez la différence après les demi-lunes, c'est beaucoup plus fluide. 1, 2, 3, ah, et nous remontons, position verticale, les deux bras, les deux mains en l'air. 1, 2, 3, c'est avec moi, je suis forte. Je suis fort dans mon corps. Je suis enraciné, ancré dans mes jambes. Je ressens la plante des pieds. Et c'est le coude droit maintenant qui se plie. Nous allons continuer l'étirement. Le coude droit monte, monte, monte. Ah oui, et de nouveau une jouissance de l'étirement. C'est des jouissances en permanence qui se succèdent. Alors ça, c'est après quelques semaines ou mois. Si vous êtes déjà prof de yoga, ça va aller très très vite. Si vous n'avez jamais fait de yoga, eh bien, ça peut être un peu plus long. Ça dépend de vous et de votre autorisation. Inspiration, ça monte, ça monte, ça monte. 1, 2, 3. Voilà, gratitude. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Ah oui, ça monte, ça monte, ça monte.
Le coude droit monte, monte, monte. Et c'est ressenti dans peut-être le bas du dos, le haut des fesses, les omoplates, les épaules, ça dépend de chacun. Quelque chose se passe. Inspirez, expirez là où ça tire. 1, 2, 3. Ah oui. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Gratitude. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration par le nez, le coude monte, coude droit. Abandon là où ça s'étire. Ah, oui. En vous autorisant l'expression de la jouissance, ça tremble et ça vibre avec la voix, ce qui permet d'accentuer en fait la jouissance. Une respiration. Ah oui. C'est une résonance, une vibration, tout le monde avec moi, avec votre voix. Vous envoyez comme une onde d'amour et une onde de jouissance à certains endroits du corps. C'est technique. Une respiration. Ah, ah oui. Et les cellules du corps reçoivent, le champ morphique proche reçoit, votre corps reçoit cette onde d'amour et de jouissance. C'est une expression de vous, pour vous. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, ça monte, ça monte, ça monte le coude. Si c'est inconfortable, eh bien faites à votre rythme. Ah oui, gratitude. Mais je sais que certains, certaines le font très régulièrement, ce yoga. Et donc là, vous avez, comme pour tous les sports, hein, bien sûr, eh bien une forme de maîtrise et de jouissance de la maîtrise aussi. Ah oui! Et vous avez tous les cadeaux de notre pratique, parce que vous le faites régulièrement. Une respiration. 1, 2, 3. Ah, gratitude. Et de nouveau, les mains, tout monte. Il n'y a rien à parler. Le mental disparaît. Et c'est le bras gauche maintenant qui se plie. Et ça monte, le bras gauche. Le coude gauche monte, monte, monte. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui. N'hésitez pas à envoyer cette onde sonore. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Gratitude. Ah. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Dites avec moi, j'accepte de ressentir. Chacun avec son originalité et sa tonalité. Il n'y a pas d'uniformisation chez nous. Dites avec moi, j'accepte la jouissance de l'étirement. Et j'ose l'exprimer. Je n'ai pas peur d'exprimer ma jouissance. Et je n'ai pas peur de vivre ma jouissance aussi. J'élimine 4000 ans d'interdits. J'ai le droit maintenant. Je retrouve mon corps. J'active la maîtresse tantrique, le maître tantra en moi. J'ose la sensualité. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, gratitude. Ressentez. Voilà, normalement, cela crée aussi des sueurs ou de l'énergie qui chauffe. Ah, ça pleure, laissez pleurer. 1, 2, 3. Et plus ça monte, et plus ça s'étire, et plus ça s'étire. Moins il y a de tension, plus vous allez être en forme et en pleine santé. Quel que soit votre état initial, c'est une amélioration. Inspiration.
1, 2, 3. Et ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a plus personne, plus d'identité. Ça s'abandonne aux postures, à cette pratique. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui! Inspiration. 1, 2, 3. Ah, et ça monte, ça monte, ça monte. Plus que quelques secondes, encore un peu. 1, 2, 3. Et nous relâchons. Ah oui! Et nous allons passer au hula hop. Le bassin va tourner tout doucement. Imaginez depuis les chevilles au départ. Votre conscience dans la plante des pieds. Et les chevilles font des ronds. Et vous êtes particulièrement bien ancré, bien enraciné. Ressentez votre plante des pieds. Chacun va dire un mot sur comment il se sent dans la plante des pieds, tout le monde en même temps. Ici, je me sens ventouse. C'est comme des ventouses. Les pieds sont plaqués au sol. Voilà, chacun dit un mot. Comment vous êtes dans les pieds? Dans la voûte plantaire, précisément. C'est humide aussi, ici. C'est ancré. Allez, soyez pas timide. Dites un mot. Voilà, coller. Parfait. C'est très bien. Coller, c'est ancré. Bétonné, oh là là, l'ancrage de Joya. Quoi d'autre? Aspirer, oui, bah ça a l'air de marcher alors ce truc. Les hanches font des ronds. Quoi d'autre? Oui, vous sentez comme une ventouse, une aspiration, un truc très ancré. Imaginez maintenant vos racines qui vont jusqu'au centre de la terre. C'est très profond, hein. Et oh, vous êtes inamovible, puissante et puissant. Sur vos jambes. Dites avec moi pour les femmes, je suis une femme debout. Et pour les hommes, je suis un homme debout. Voilà, ressentez comment ça vous fait d'être debout. Les hanches tournent. Une respiration. 1, 2, 3. Et les ronds deviennent de plus en plus grands. Les hanches sort du tapis même, tellement vous êtes souple. Les genoux sont voilà, en train de faire des grands ronds, légèrement pliés les genoux. Oui, vous pouvez exprimer la jouissance. Ah oui, vous sentez le bassin, les pieds toujours ventouses, bien ancrés, et en même temps il y a le bassin qui tourne. Dites avec moi, gratitude de recevoir l'initiation. Danse du ventre. Nous sommes au Maroc. Oui, 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 Myriam, une respiration. 1, 2, 3. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Inspiration. 1, 2, 3. Ça peut tourner de plus en plus vite. Voilà, mobilité du bassin, c'est très important. Bien faire les mouvements toute la journée. Et dans l'autre sens maintenant. Tournons aussi dans l'autre sens. Voilà, ça déverrouille le bassin. Ça va permettre d'être mobile, quel que soit votre âge, même si vous avez 80 ans. C'est pas un problème. C'est tout dans la tête et dans la pratique. Une respiration. 1, 2, 3. Il n'y a pas d'âge pour cette pratique, c'est pour tout le monde, à tous les âges, à 20 ans aussi. Une respiration. 1, 3. Et ça part à gauche, à droite. Et ça se déverrouille. Ah oui! Envoyez des ondes de jouissance à votre corps. Ah! Vous êtes en train de vous libérer le deuxième chakra avec notre pratique. Et vous verrez au fur et à mesure que c'est toutes les formes de jouissance qui vont être autorisées dans votre système. Nous commençons par une, l'étirement, mais c'est toutes les formes, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles, car une fois que votre inconscient a l'autorisation,
Eh bien, c'est une autorisation globale. Inspiration. 1, 2, 3. Et nous allons enchaîner sur la grenouille. Normalement, vous êtes prêt pour la grenouille. Tout doucement, hein. Attention. Ah, la grenouille. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration, expiration. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Expiration. Les pieds bien à plat si possible. Si vous débutez, faites ce que vous pouvez. Ça va venir avec le temps. Il y a quelques années, je ne pouvais pas du tout faire cette posture. Hein. Il y a 5-6 ans. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais elle est très importante pour harmoniser le corps, pour que Ida et Pingala, le côté gauche et droit, s'harmonisent, pour laisser venir Shushumna, le canal central, et pour que la Kundalini circule sans que vous trembliez dans tous les sens. C'est l'objet de notre pratique, un ancrage maximum. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Expiration. Inspiration par le nez, puis expiration. On continue. Les yeux fermés tout au long de notre pratique. Vous êtes à l'intérieur. C'est aussi un moment d'abandon. Il n'y a plus personne. Juste un corps qui fait des mouvements. Vous devenez le plaisir, la jouissance, l'étirement lui-même. Inspiration. Expiration. Expirez là où ça s'étire. Si ça fait mal, faites des pauses. Ça sert à rien de se faire du mal ou de froisser un muscle ou de forcer. C'est à faire tous les jours régulièrement pour avoir des résultats progressifs. 1, 2, 3. Inspiration. Expiration. Plus que 20 minutes. Non, une minute, ça devrait aller. Inspiration. Et ça s'étire tendrement grâce à l'attraction terrestre. Plus que 20 secondes. Et nous allons en position assise, tout doucement, sans forcer. Nous allons étirer la jambe droite. Vous avez des cordes ou des instruments, vous pouvez l'utiliser. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. Ah oui. Ah, ça fait du bien. Inspirez, expirez là où ça tire. Peut-être derrière la cuisse. Sous le mollet. Ah oui. Inspiration. Expiration. Inspiration profonde, en continu sans s'arrêter.
inspiration. Ah bon. Inspiration, abandon. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration, expiration, là où ça tire. Et puis nous allons changer de jambe, étirement de l'autre jambe maintenant. Oh. Ah oui, gratitude. Vous sentez la jouissance de l'étirement. 1, 2, 3. Inspiration, expiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche et expiration là où ça tire. À l'expiration, ça s'abandonne. Inspirez, expirez là où ça se tire. Oh.
Et c'est pleurer si ça pleure. Et nous revenons tout doucement, position assise. Ressentez les effets de notre pratique. La colonne en arrière. Ah oui! Laissez la colonne s'étirer. Si vous êtes en demi-lotus ou en lotus, le talon touche le périnée. Ah! 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 Dites avec moi, je me rappelle maintenant de toutes mes vies, de maître et de maîtresse tantrique. Ah! Gratitude. Dites avec moi, j'accueille ma sensualité. Ah! Ah! Je m'autorise toutes les formes de jouissance. Ah oui. Ah. Ressentez votre corps. Il y a juste à écouter. Et plus vous allez être dans votre corps, et plus vous allez vous autoriser, évidemment, la jouissance du corps physique. Plus vous êtes enfermé dans la tête, et moins vous êtes ancré, enraciné dans le corps, et moins vous profitez de la vie. Inspiration. 1, 2, 3. Et nous allons maintenant passer à la planche pour celles et ceux qui veulent. La planche. Inspiration. 1, 2, 3. Le bassin monte, monte, monte. Toujours inspiration par le nez, expiration par la bouche. Faites ce que vous pouvez, un peu plus chaque jour, sans forcer, sans se faire mal. Ah oui, ça monte, ça monte, ça monte le bassin. 1, 2, 3. Ah! Les fessiers se contractent, les abdos se contractent. La planche est de plus en plus droite. Et ça monte, ça monte, ça monte depuis le bas du dos. Le bassin monte, monte, monte. Ah! La tête s'abandonne. N'oubliez pas d'inspirer par le nez. Et expirez par la bouche afin d'avoir de l'oxygène pour maintenir la posture qui demande beaucoup d'oxygène. Inspiration profonde. Expiration. Ah oui. Inspiration. Expiration. Ah. Inspiration. Expiration. Ah. Inspiration. Expiration. Ah. Ah. 1, 2, 3. Ah oui, ça tire.
gratitude. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. Oui, ça s'est tiré, ça fait du bien. Une grande jouissance de l'étirement, inspiration. 1, 2, 3. Ah, ah, et ça s'étire. Ressentez les fessiers qui se contractent, les abdos qui se contractent, la tête qui s'abandonne, le cou qui s'abandonne. Ah oui. Ah, c'est bon, ça fait du bien. 1, 2, 3. Ah, sans forcer, si vous êtes nouveau, nouvelle, faites plein de pauses. Là, c'est une pratique qui est obtenue après plusieurs mois, années. C'est pas pour tout de suite pour certains et certaines, mais vous allez y aller si vous êtes régulière, régulier. Ah, ah. Et comme tous les sports et toutes les formes de maîtrise, à un moment, c'est génial. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, oui. Ah, gratitude au yoga tantra. 1, 2, 3. Et tout doucement, en gardant la tête en arrière et en gardant la colonne qui s'étire, les fesses redescendent. Tout doucement, la tête reste en arrière, la colonne aussi. Et nous revenons dans la posture précédente. C'est très important de savoir revenir. Ça continue à s'étirer, la colonne, avec le talon sur le périnée. Ah oui, voire même aussi le bassin qui monte, les talons restent au sol. Ah, ah. Une demi-planche, si je puis dire. Inspiration. 1, 2, 3. Les cuisses se cambrent. Le dos se cambre. La colonne est en arrière. Et en même temps, les genoux sont au sol. Et puis tout doucement, nous nous asseyons. La colonne en arrière et nous revenons tout doucement en position verticale. 1, 2, 3. Puis tout doucement, le corps va en avant, ça redescend en avant, tout en restant assis, étirement vers l'avant. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui! Étirement dans l'autre sens pour compenser l'étirement. Ah, faites ce que vous pouvez pour vous allonger le plus possible. En fonction des capacités de chacun. Ne forcez jamais. Il n'y a pas de douleur ou de forçage dans notre posture. Il n'y a pas d'objectif non plus, autre que l'abandon. Mais l'abandon ne peut pas être un objectif, puisque c'est un abandon. Et ça s'abandonne. Ça s'abandonne. Ça se relâche. Inspirez, expirez là où ça s'étire. Peut-être le bas du dos. Le haut des cuisses. Ah oui. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. Inspiration. Abandon. Et ça s'abandonne, ça s'abandonne, ça s'abandonne. Satchidananda Parabrahma. Et nous allons enchaîner avec la posture de l'enfant. Donc ça continue à s'étirer. Ah oui,
Le front touche le tapis. Les bras, les mains, tout part en avant. Étirement des épaules. Ah oui, les épaules s'étirent totalement. La tête est posée avec le front sur le tapis. Les hanches s'apaisent et s'abandonnent. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde par le nez. Et abandon par la bouche. Ah oui, ça s'abandonne. C'est heureuse, heureux de s'abandonner. C'est une célébration. Vous êtes pleinement dans votre corps. C'est un grand oui à la vie. Une rencontre avec soi. Une histoire d'amour entre vous et votre corps. Ouh, ça pleure, laissez pleurer. 1, 2, 3. Ah oui! Et les mains, les bras peuvent monter un peu plus pour bien sentir tout le dos qui s'étire, les omoplates, les cuisses, le bas du dos. Ah oui, gratitude. Dites avec moi, je m'abandonne à mon corps physique. Totalement. À mon corps physique. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je me pardonne tout. Je m'abandonne à toi maintenant. Et je t'écoute. Et je t'entends. Et je te respecte. Et tu es ma priorité. Tu es mon meilleur ami. Je t'aime. Une respiration. 1, 2, 3. Et nous enchaînons avec totalement allongé maintenant. Abandon total. La tête sur une joue, sur un des côtés. Et ça s'abandonne. Ça disparaît totalement. Il n'y a plus personne. Juste une musique. Un corps. Une voix. Ça rote. Ça bâille. Ça disparaît. C'est naturel. Ressentez les points de contact sur le sol. La joue qui touche le sol. Les pieds. Les mains, les bras, les épaules, le torse, le haut des cuisses. C'est posé, votre poids réparti partout sur le tapis. Et ça se lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Inspiration par le nez. Et abandon, et pendant l'abandon, ça lâche tout et ça expire. Et ça s'enfonce dans le tapis. Et ça continue à expirer même quand il n'y a plus d'air. Ça expire, ça expire, ça expire, ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça s'abandonne. Ça disparaît dans le tapis, ça devient le tapis. Dites avec moi, je suis le tapis de yoga. Il n'y a pas de différence entre moi et le tapis. Je suis l'ensemble. Inspiration par le nez. Abandon. Ressentez l'immobilité du tapis. Ressentez que vous pouvez tout être, que vous êtes, vous avez toujours tout été, et qu'il y a de la conscience dans chaque chose, incluant dans le tapis. Inspiration. 1, 2, 3.
Ressentez que vous êtes le tapis sans l'essence humain, car le tapis n'est pas humain, mais le tapis existe. Ressentez que tout ce qui existe est la conscience, et qu'il n'est pas possible d'exister sans conscience dans cette dimension. Et laissez pleurer. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Ressentez que vous êtes de plus en plus léger. Votre corps est léger. Inspiration par le nez. 1, 2, 3, abandon. Oh. Et ça s'abandonne. 1, 2, 3, abandon. Inspiration. 1, 2, 3. Ouh, ça pleure, et c'est pleuré. Inspiration profonde par le nez. 1, 2, 3, abandon. Et puis tout doucement, nous allons nous mettre sur le dos, en nous mettant tout d'abord sur le côté. Inspiration. 1, 2, 3. Si vous avez un masque pour les yeux, c'est le moment de le mettre. Nous passons à la partie réalisation du jour. Si vous êtes à l'extérieur, eh bien rentrez pour ne pas prendre froid pendant l'immobilité. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Les bras, les mains peuvent s'étirer en arrière. Ah oui, le bassin monte, monte, monte pour celles et ceux qui veulent. Ah oui, gratitude. Vous pouvez continuer à laisser le corps bouger pendant les réalisations du jour. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, le bassin monte, monte, monte. 1, 2, 3. Puis redescend. Vous pouvez faire des mouvements libres aussi pendant les réalisations du jour, si vous avez l'élan. Alors il y a juste à écouter. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, j'avais besoin d'apprendre à m'adapter. Ouh, ça pleure, laissez pleurer. 1, 2, 3. Ce que je suis, ce que nous sommes, la conscience, avait créé ce jeu vidéo en trois dimensions, ce grand hologramme, afin d'apprendre à être, afin de jouer. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais créé 8 milliards d'habitants sur Terre. Ils étaient tous moi. J'étais eux. Et nous avions cette possibilité de jouer ensemble, de co-créer ensemble, de créer des couples, des binômes, des trinômes. Une respiration. 1, 2, 3. Nous pouvions jouer à deux, à trois. Nous pouvions vivre de multiples expériences, que ce soit des expériences d'amitié, amoureuses, des expériences de couple, des expériences d'équipe pour travailler ensemble. Nous étions l'humanité et nous étions en train de nous rappeler tous ensemble que nous avons toujours été un en vérité.
en pacifiant nos sous-personnalités et toutes nos parts dissonantes, nos corps de souffrance, en faisant ce travail de libération et d'abandon des corps de souffrance, eh bien nous augmentions notre capacité à vivre ensemble, à nous aimer, à co-créer et à faire tout doucement évoluer notre humanité vers plus de paix, plus de joie, plus d'amour, plus de co-création. Et c'est vrai. 1, 2, 3. En se libérant des dogmes, des religions, des systèmes et de tous les systèmes de pensée, nous pouvions canaliser, chacun avait cette capacité à canaliser des œuvres, des poèmes, des citations, des livres, des vidéos, des musiques, des nouveaux yogas comme celui-là, qui est un yoga canalisé. Ce n'est pas un yoga qui a été appris, c'est un yoga qui est canalisé. Et tous les maîtres yogis, depuis la nuit des temps, mais bien canalisent du yoga. Inspiration. 1, 2, 3. J'avais cette possibilité de m'adapter et de comprendre chaque personne que nous avons créée dans notre vie. Il y a une possibilité de co-créer quelque chose ensemble. J'avais besoin de m'abandonner à chacun et de comprendre les limites et les possibilités de chacun. Et c'est pleuré. 1, 2, 3. Nous avions chacun individuellement les limites de notre identité et nous avions la possibilité de les dépasser, ces limites, de les faire grandir en allant tout simplement dans nos zones d'inconfort et dans nos peurs. Ou laisser pleurer. 1, 2, 3. À notre rythme pour ne pas que ce soit violent. Et en même temps, nous avions la possibilité de faire des choses ensemble ou pas, en fonction des limites de chacun. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je respecte mes limites. Je respecte les limites de mon identité. Une respiration. 1, 2, 3. Je respecte les limites des autres. J'active en moi la gentillesse, la bienveillance, le don de soi et l'abandon. Et je m'adapte à mes limites, aux limites de mon identité, aux limites de mes sous-personnalités et aux limites des autres moi. Ainsi, nous pouvons co-créer. Une respiration. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Dites avec moi, j'active en moi maintenant la grande clarté de l'être. J'active en moi maintenant gratitude de recevoir l'initiation. Relation harmonieuse. Communication harmonieuse. Communication consciente. Une respiration. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Dites avec moi, je reconnais maintenant mes capacités empathiques. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je liste mes limites. Je liste les limites de mon identité. Je suis un être illimité qui vit le limité dans mon identité.
j'aligne l'ensemble. Je me respecte et je respecte toutes les parties de moi. Et je respecte toutes les parties des autres. Je ne me force pas et je ne force pas les autres. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je décide pour moi. Je laisse les autres décider pour eux. Je reconnais qu'il n'y a pas de vérité absolue et qu'il y a 8 milliards de vérités relatives. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Dites avec moi, ma vérité n'est pas supérieure ni inférieure à celle des autres. Ma vérité est ma vérité. Et j'honore toutes les vérités. Et je pacifie toute l'humanité en moi, maintenant. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Je suis l'humanité. L'humanité est moi. Et nous sommes un. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Et je m'unifie maintenant avec les autres espèces. Et je dépasse le règne humain pour me faire des amis dans tous les règnes, dans toutes les espèces, dans toutes les civilisations, dans toutes les dimensions et sur toutes les planètes. Je suis prêt et prête à la rencontre multidimensionnelle. Ouh, laissez pleurer. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je veille à ne pas créer un ego spirituel qui pourrait croire avoir une vérité absolue. Une respiration. 1, 2, 3. Ouh, laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, voilà, gratitude. Nous avons terminé cette deuxième partie, la partie réalisation du jour. Nous allons passer à la partie Shaktipat vaisseau spatial. Une respiration. 1, 2, 3. Sophie et Jérémy peuvent venir. On va commencer les bases d'un vaisseau. Et si Joya pourrait se mettre derrière moi aussi. Alors.
plutôt à ma ou plutôt à ma droite, Joya. Mettre le tapis pour pas avoir froid. Ah, tu peux te mettre là. Ouais, finalement. Ouais. Ouais. Ah, bah voilà. Et si Morgane peut venir à droite. Tu peux venir à droite. Ici, là. Ouais. On va commencer comme ça. Inspiration. 1, 2, 3. Quelle heure est-il ? 9h54. Et après, on fera passer les personnes dans le vaisseau spatial. Mais pour le moment, c'est la création du vaisseau. On va faire un home d'amour pour chacun en fermant les yeux. Home d'amour pour Anne-Sophie. Alors, plutôt par là. Homme d'amour pour Morgane. Jérémy, bien droit, alors le dos bien droit. Oh. Si Joya pouvait se mettre derrière moi, un homme d'amour pour Philippe. Homme d'amour pour Anatman. Alors on va mettre Célestine derrière Jérémy, un home d'amour pour Célestine. Et ouais, et alors attends, on va faire un petit home. Problème technique, j'ai pas le bras assez grand. Alexis, tu veux te mettre derrière Philippe. Une respiration. Alors, ah oui, on va faire un point déjà avant. Alors, est-ce que tu peux venir pour le point avant ? Pardon. Oh.
Alors voilà, tu peux te mettre derrière lui, les mains sur les épaules, et puis donc on va mettre Samuel. Voilà. Alors un petit peu venir Samuel. En fait, vaut mieux faire le point et après. Malika, home pour Malika, et on va faire. Alors, Eloa. On va faire un petit... Donc ça s'appelle Puja en Inde, ce qu'on fait, c'est pour se reconnecter à l'être. Un petit Puja et ensuite derrière Alexis. Mais avant, tiens, viens. Une inspiration. Laurence, on va faire un home pour Laurence et après elle sera derrière Eloa. Les prénoms. Ah oui, Anne. Anne. Un petit. Et après avec avec Samuel après Anne. Une inspiration. Ah oui, Régine. Un home d'amour pour Régine. Il n'y a vraiment plus la table mémoire. Hein. Oh. Il y en a qui sont en haut, non? Donc tu peux te mettre derrière sur cette rangée-là. Et Alcyone. Et après, il y aura tout le monde. Après, on aura fait notre vaisseau. Oh! Les mains, voilà. Hop. Ça va là, ça va comment? T'as pas mal? Alors, une respiration. 1, 2, 3. Voilà, vous pouvez mettre les mains sur les épaules de la personne devant vous. Le dos bien droit surtout. Bien droit, la tête bien droite. Voilà. Faut être bien aligné.
Laissez faire les Kundalini. Une grande inspiration, un home d'amour pour nous. Si vous êtes à distance, imaginez que vous êtes avec nous sur une des branches de l'étoile. Inspiration. Et un home d'amour. Avec moi, j'appelle tous mes guides, tous mes alliés, mes anges et archanges. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, gratitude de recevoir. Tous les plans. Des vaisseaux spatiaux. Je m'autorise à créer des vaisseaux pour changer de dimension. Une respiration. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Dites avec moi, je suis la douceur. Alors, bien droit, bien droite. Voilà, chacun avec son originalité. Dites avec moi, je suis un élément d'un ensemble. J'ai ma place. Ma place, c'est d'être ce que je suis. J'accepte d'être ce que je suis. Sans en faire une affaire personnelle. Ça vit à travers moi. Ça aime à travers moi. Ça joue à travers moi. Ça est à travers moi. 1, 2, 3. Voilà, ressentez dans votre corps. Tout se fait tout seul en fait. Alors dites avec moi. J'active mon cœur christique. Je reçois un cœur christique. Je transmute depuis mon cœur christique. Ça transmute tout seul. Inspiration. 1, 2, 3. Avec moi, à toutes ces autres parties de moi. Gratitude d'être ensemble. Gratitude de jouer. Gratitude de célébrer. Gratitude de s'honorer. Gratitude de se faire plaisir. Gratitude de s'entraider. Sophie, s'il y a des choses que tu as envie de canaliser peut-être. Je permets et j'autorise. Ça pleure, laissez pleurer. J'accueille dans mon corps, dans mes émotions. Dans tous mes corps, dans tous les temps, espaces et dimensions. Déprogrammation.
Mise à jour. Dernière version. Gratitude. Stabilisation. Harmonisation. Activation des nouveaux programmes. Merci. Là. Prise en charge des résistances du corps. Je permets, j'autorise. Alors à toi Jérémy, est-ce qu'il y a des choses canalisées ? T'avais fini Anne-Sophie ? Sinon tu nous rediras. Purge des énergies qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Je permets, j'autorise. Alors, tout doucement, plus calmement. Je permets, j'autorise. Voilà. À toi Jérémy. Purge du corps mental maintenant. Je demande à ce que le mental soit ramené au niveau du bassin. Merci. Je permets et j'autorise l'ancrage dans le bassin, dans le premier chakra. Dans les jambes et dans les pieds. Dans le chakra étoile de terre. Ah. Vous avez fini, Jérémy, non ? Oui ? Alors, Philippe, tu as des choses ? Bien droit. Ploto, ploto, ploto. Je me rappelle de mes vies d'arbre. Je retrouve mes racines. Wood, tu veux venir, Wood ? Non ? Alors, une inspiration. 1, 2, 3. C'est bon, Philippe ? Okay. Samuel, est-ce qu'il y a des choses qui viennent ? Je trouve le cœur de la terre. Et absorbe toute la conscience que je suis à l'intérieur. Mon corps. Tous mes corps. Toute la conscience que je suis s'absorbe. Chaque brin d'herbe, chaque animal, chaque être vivant qui respire
dans la matière et dans le subtil. Ok. Morgan. Alors attends. Oui. Stabilisation. Harmonisation. Harmonie. Paix intérieure. Ancrage. Scellement. Inspiration profonde. Allez, un âme dans le premier chakra. Morgane, est-ce qu'il y avait des choses qui viendraient? Ah, ok. Ah, d'accord, ok. J'autorise maintenant. Je permets, j'autorise. Réalignement en cours. Merci. Je permets, j'autorise. Alors dites avec moi. Dans cette vie et dans toutes nos vies. Je me libère de toutes les entités, de tous les implants, quelle que soit la dimension. Je me rappelle, je suis la source. Je me libère de l'identité spirituelle et des corps de souffrance. Inspiration. 1, 2, 3. J'appelle et j'active un vortex d'amour tout autour de nous. J'appelle nos amis les Elohim. Gratitude pour l'harmonisation. À toutes les parties de moi qui sont là maintenant. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Tu es avec moi. Gratitude de recevoir. Une douche cosmique d'amour qui me libère de tout, qui me purifie de tout. Inspiration. 1, 2, 3. Nettoyage en cours. Gratitude à Métatron. Merci. Juste à laisser faire. J'appelle et j'active le Karcher cosmique. Voilà. Dites avec moi, montée vibratoire. Et expulsion de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Inspiration. 1, 2, 3. Lâchez les résistances. Abandonnez-vous, voilà. Voilà, abandonnez-vous. Ah, dites avec moi, je m'abandonne. Au vaisseau, à mon et à mon corps. Laissez faire, ça se fait tout seul. Oui, verbaliser si besoin. Voilà. Gratitude aux piliers de lumière. Voilà. Restez dans le cœur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à canaliser peut-être? Je dénonce toutes les parties inconscientes de mon corps, toutes les parties inconscientes de mes corps. Je dénonce mon mental, prise en charge,
Alors dis avec moi, je deviens conscient de tout. Je suis la conscience. Et j'accueille la conscience partout. Je mets de la conscience partout. Partout il y a de l'ombre. Partout ça n'a pas encore été vu ici. Tu l'as dit en même temps que moi, monsieur. Une respiration. 1, 2, 3. Ah oui, voilà. J'active maintenant le bouclier de protection illimitée. Automatique. Renvoi d'énergie négative à celui ou celle qui l'ont envoyé. Cette énergie est renvoyée avec une sphère d'amour. Et dites avec moi, j'accueille toutes les parties de moi. En respectant mon identité. Je m'autorise à poser des limites. Une inspiration. 1, 2, 3. Je suis amour. Je suis vibration d'amour. Toute pensée et tout geste, toute intention est mise envers moi. Est mise envers tout ce que j'ai créé, physiquement, mentalement, verbalement. Retourne vers le créateur, vers la créatrice de ces énergies remplies d'amour. Gratitude infinie de ressentir, de goûter, de percevoir, de vibrer toute la vie que je suis dans chaque cellule de mes corps. Harmonisation totale avec l'univers. Je fusionne chaque éveil, tout éveil. Je réunis dans une grande énergie de lumière blanche. Je me baigne dedans. Je la renvoie. Je la distribue. Je la donne et la diffuse. Tout autour de moi. Je t'aime. Et ça se fait tout seul. Gratitude à tous, oui. Merci d'être là. Dites avec moi, chacun à sa place. Et j'ai ma place aussi. Sans en faire une affaire personnelle. Inspiration, sans créer un ego spirituel. Ça parle. Ça bouge. Ça fait du yoga. Ça fait du sport. Ça sème. Toute la journée, ça fait plein de trucs. À travers moi. Depuis le cœur. Ouh, ça pleure. 1, 2, 3. Et je reconnais. Ça fait à travers moi. Ce n'est pas moi qui fais. Inspiration. 1, 2, 3. Nouvelle prise en charge des égos spirituels.
Oui, j'avais besoin de comprendre que je n'ai pas besoin d'identité spirituelle. Dites avec moi, je vois les pièges. Et je ne tombe pas dedans. Et je suis soutenu par mes amis. Ouh, ça pleure bien. Merci, gratitude. Merci. Ça s'abandonne. Ça sentait la gratitude. Alors, dites avec moi, gratitude de recevoir la grâce de Marie. Gratitude de recevoir la grâce de Padre Pio. Gratitude de recevoir la grâce de Christ. Gratitude de recevoir la grâce de Bouddha. Inspiration. 1, 2, 3. Gratitude de recevoir la grâce de Shiva. De Brahma. De Vishnu. Et de tous les maîtres ascensionnés. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Prise en charge de toutes les tablettes. Interne et externe. Merci. Élimination des derniers implants. Ça pleure. Purification totale. Liberté totale. Je permets, j'autorise. Je n'ai pas besoin de voir ce qui se passe. Oui, je ressens ce qui se passe. Je sais dans mon cœur ce qui se passe. Il ne se passe rien. C'est ok. Je demande une libération au niveau de mes genoux. Permets, j'autorise. Permets, j'autorise. Gratitude, libération. Libération des énergies bloquées dans les cervicales. Je permets, j'autorise. Alignement de la colonne. Maintenant, libération de la Kundalini en sécurité. Oui, c'est pleuré. Libération de la gorge. Oui, libération de l'expression. Je permets, j'autorise. Libération de la glande pinéale. Ouverture du troisième œil. Réalisation de l'unité. Maintenant, déblocage du cœur. Ça pleure. Ouverture du cœur. Expansion du cœur. Inspirez, n'oubliez pas d'inspirer et expirez.
tout en restant bien droit, mettez-vous à l'aise. Grande purge de tous les corps. J'accepte, j'autorise. Je permets. Voilà, tenez-vous bien droit. Mise à jour maintenant. Permet, j'autorise. Libération des énergies bloquées au niveau du ventre. Je vais prendre en charge l'entièreté de mes corps. Alors dites avec moi, gratitude de recevoir l'initiation. Guérison de tous les organes. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, gratitude de recevoir l'initiation. Santé parfaite. Rajeunissement. Inspiration. 1, 2, 3. Où ça pleure. Oui, je permets, j'autorise. Où ça pleure bien. Alors dites avec moi, je m'autorise à pleurer. J'autorise toutes les émotions. Ça s'évacue. Ça se libère du corps. Ça se décristallise. Je m'abandonne au processus. Rehaussement du corps d'Alexis. Permets, j'autorise. Prise en charge des douleurs au niveau des omoplates. Ah, activation des ailes. Oh. Activation des ailes. Dites avec moi, unification de mes sous-personnalités. Unification de mes sous-personnalités. Paix intérieure. Résolution des conflits internes. Inspiration. 1, 2, 3. Gratitude de se permettre à. Prise en charge des égos spirituels. Ça veut dire quoi, prise en charge, Anne-Sophie? Ah, déraccordement. Ok, déconnexion. Ok, ok. D'accord. Ah oui, je reste aligné. Avec l'amour. Avec l'être, avec la source. Déparasitage des canaux de lumière maintenant. Ok. Ah bah ça, c'est pas, ça va pour ça aujourd'hui. On continue demain. Ça vous va? Parce qu'on a déjà eu notre dose là pour un début, c'est quand même la première demi-journée de stage. Bon, c'est la mise à jour, oui. Merci pour le massage, gratitude. Alors on va faire un home d'amour, c'est par rapport au planning. Et puis nous continuerons demain, bien sûr. Et seuls et ceux qui sont à distance pourront aussi participer. Une respiration. Oh.
Alors on va le refaire. Une respiration. Merci beaucoup, restez bien droit, bien droite. Merci, je vous aime. Merci pour les nouveaux vaisseaux spatiaux. C'est tout nouveau, c'est chouette. Chacun à sa place. Je t'aime. Nous allons tout doucement revenir en peut-être enlevant les bandeaux sur les yeux et en touchant les mains. Voilà. Gratitude en touchant le corps et en revenant toucher les pieds. Oui, boire beaucoup. Gratitude pour ces bons moments. Merci, merci, merci. Bon petit déjeuner. Gratitude. Merci à Métatron et à Sandalphon et à tous nos chéris. Gratitude. Merci aux anges, aux archanges et à toutes celles et ceux qui étaient là. Merci. Voilà, c'est l'heure des câlins. Si vous avez envie de vous faire des câlins. Gratitude. Oui. Oh, ça pleure. Gratitude, merci. Merci, merci. Câlin. Oui. Merci, je t'aime. Bon petit déjeuner. Merci. À tout à l'heure. On se retrouve à 10 à peu près pour la suite. Merci, merci pour tous les beaux messages d'amour. N'hésitez pas à mettre des beaux messages. Et il reste quelques places pour fin octobre, pour celles et ceux qui veulent vivre cela en direct. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime. Merci de ranger chacun son tapis. Rangement des tapis activés.